28. Allez, le beau décalage, ça va centrer. C'est Mouni, Ahmed Mouni, lance-entre entrée, parade énorme, original. Ten Fofana qui sera un corner rentrant, c'est bien tiré, premier poteau. Ouais, c'est même très bien tiré. Ça tergiverse, c'est pas terminé. Je crois que ça a touché le poteau. Oh là là, le sauvetage. Oh, le sauvetage sur la ligne, c'est pas terminé pour les Crystalais qui vont pouvoir peut-être prendre le tir, mais la défense. Devant leur public. Allez, c'est parti. Avec Fofana, c'est parti. Le corner, la tête, l'arrêt de Pérez. Oh, et la part transversale derrière. C'est pas fini. C'est pas terminé. Et la main dans la surface. Non, c'est contré. Le centre, deuxième poteau, et ça va sortir. Les coups de pied arrêtés aussi qui peuvent débloquer des matchs. Hein. C'est très important à ce niveau-là. Parce qu'il y a des matchs fermés, voilà, il suffit d'un corner bien frappé. Comme là par exemple, avec l'ouverture du score, c'est Pierre Lemonnier. Super bien frappé. En capitaine, il vient montrer l'exemple pour aller chercher peut-être la première victoire du Mans FC cette saison. Il manque de rythme aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, mais là attention parce qu'il peut y avoir une solution de frappe, pourquoi pas pour eux. Finalement, il était un petit peu tout seul, même si ça va revenir une deuxième fois avec Krejci, la frappe de Krejci qui passe à côté des cages. Un championnat tellement particulier que vous connaissez très bien, Samuel Allegro. Oula, attention, il y a une faute. J'ai bien l'impression que cette fois-ci, ça va être le rouge. On en parlait tout à l'heure avec beaucoup de joueurs qui ont été avertis du côté du Mans FC. La fois de trop pour Maxime Bernauer, ça sera carton rouge. Le Mans qui va terminer la rencontre à 10, il reste 25 minutes. Il y a de la qualité technique, c'est un match qui se déroule parfaitement, il y a des actions. Et attention parce que là Haddad, il est rentré dans la surface de réparation, la frappe, le poteau, c'est peut-être pas fini. Encore Haddad. Avec Manoubi Haddad une deuxième fois, cette fois ça va être ressorti, la petite faute d'Haddad. En supériorité numérique avec Romain Taillon pour Mathéo Remars, c'est bien fait. Remars sur le côté, le bon centre pourquoi pas, la tête d'Otman Dadou, la barre transversale, c'est pas fini, c'est repoussé une première fois, ça va revenir la frappe et cette fois ça sera... Allez. Il va falloir les trouver à l'opposé à un moment donné. C'est très bien fait là, Thomas Robinet encore une fois. Pierrick Cros, nouvel entrant qui est bien rentré tout de suite dans son match. Allez, on trouve Johan Brun à la lutte. Johan Brun, il est passé. Il va essayer d'aller tout seul et la belle intervention de Swahili. Est-ce qu'il y aura une faute? Ouais, la faute sifflée par Monsieur Chansiou. Oh, attention la couleur du carton. Oh, attention la couleur du carton. Ça sera un carton rouge pour Ahmed Swahili. Intervention de dernier défenseur. L'Arbi Lostis qui va sortir vainqueur, on va le savoir tout de suite. L'Arbi peut-être pour l'ouverture du score, elle est au fond. L'ouverture du score pour le SO Cholet. Oh, attendez, on est déjà en direct finalement parce qu'on a contré à toute vitesse. Oh, c'était rapide, est-ce qu'il va y avoir un penalty? C'est parti, l'égalisation peut-être au bout des pieds d'Issa Soumaré. Et c'est transformé par l'US Orléans qui revient à égalité. Un but partout, ce match est totalement Enchobi face à Jessin Seba. On va revenir sur Maggiotti, peut-être l'opportunité de Maggiotti. Le but de Maggiotti vient juste de rentrer et il fait d'ores et déjà la différence pour le SO Cholet. Attention, c'est Pierre-Charles qui joue à une combinaison avec Arojo dans la surface de réparation. Il y avait de l'idée mais ça n'a pas pris à défaut la défense d'Avranches. Dunkara qui est sur la gauche de la surface de réparation. Dunkara, le passement de jambe, il essaye de passer la frappe et c'est claqué. On ne lui offre pas pour l'instant. Zemzemi qui essaye de lever la tête, qui trouve quelqu'un qui essaie. Ouh, c'est bien fait Zemzemi. Et là le tacle retardement de Fadloun. Rouge Laurent, carton rouge pour Fadloun. Là les Lyonnais ont reculé un petit peu après cette phase très intéressante de pressing tout à l'heure. Attention la frappe d'Anziani, c'est contré parce que attends, SND il est dans la surface de réparation. En tout cas à l'entrée la nouvelle frappe de Magnon et c'est dévié en corner mais décidément. Le côté droit de la surface, centre fort de Romil et le Méoté qui était venu couper, penalty sifflé en faveur du Stade Briochin sur premier penalty Briochin de la saison. C'est le Méoté qui frappe et qui marque. L'ouverture du score du Stade Briochin signé Johan Le Méoté sur penalty donc à la 26e minute de jeu. Et c'est pour l'instant grâce à ce but que Saint-Brieuc mène 1-0, même si Bastia Borgo fait tout pour revenir dans ce match. Isidore sur son pied droit, Isidore qui va frapper et égaliser. Et Isidore qui va frapper et égaliser, inscrire son deuxième but.
Allez, premier poteau. Visier par Boudreau. On réclame un pénalty et une main. Et ça sera un deuxième pénalty. À Créteil, le méauté, pleine lucarne, parfaitement transformé par le milieu de terrain et meneur de jeu du Stade Briochin 2-1 pour les Griffons qui reprennent l'avantage face à Bastia. Le côté gauche où attaque notamment actuellement la Durand, le centre dans la boîte, attention dans la foulée et l'ouverture du score, le voilà, le premier but sous ces nouvelles couleurs, on en parlait à l'instant, Benjamin Gomel qui ouvre la marque pour le Red Star, un but à 0. Oh, il est magnifique, le poteau, oh quelle occasion, c'est peut-être pas terminé là avec cette récupération, la frappe en force de Durand, le voilà le deuxième but et cette fois-ci la cabane est tombée sur le chien, 87e minute de jeu, le Red Star la tient.